Bon, préparation de la petite ratatouille par Maman Passion Campagne et Nico. Donc on a Nico qui est en train de tailler là, ici, là. Donc là, il est en train de tailler, non, pas de la vigne, pour une fois, des aubergines. C'est pas la saison, la vigne. Et Maman Passion Campagne qui est en train de... Non, non. On coupera. On coupe, on coupe. On coupe, on met un bip. On met un gros bip là, machin. Elle est en train de tailler de l'ail. De l'ail, voilà. Et pas ce que vous pensez. Non. Hein? Donc il nous reste. Non mais ça. Ça va jamais tout rentrer dans ta gamelle là. Donc on est en train de préparer une petite ratatouille. La petite ratatouille, les amis. Et à la fin les tomates. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, ça va pas tout rentrer dedans. Non mais tu vas démarrer les oignons. Ah bah ils sont dedans. Bon, bah, démarre les oignons. Donc on y va. On va démarrer les oignons, les amis. Tiens. Ah, il faudrait un projecteur. Ah. Attends, assistant projecteur. Ah, regarde. Oui. Lorraine assistant. Lorraine assistant, mais plus comment. Hé, habite-toi, Lorraine. Ah. Il est parti dans le... Lorraine. Ah, moi, je m'habillerai en reine parce que reine assistant. Maman, on va manger. Je m'habille en reine. Faut que tu l'assistes à l'éclairer. Maman, on va manger. Donc, allez, on y va. Allez, on va au feu. Oh putain, c'est chaud. Donc la petite ratatouille, les amis, on la démarre sur le feu. Les petites tomates, les amis. Donc Nico qui nous prépare la petite ratatouille, voilà. Oh, c'est mignon. Oh. Pas facile à mélanger. Ouais, mais il fait ça, regardez ça. Oh, c'est beau. Fais ça comme il faut. Putain. Fais ça bien. Hein. Voilà. Avec la petite cuillère de millimètre. Ouais, non, mais je l'ai raccourci pour qu'elle rentre dans la popote. Il veut revenir en bivouac, hein. Putain, il fait ça bien. Ouais. Putain. Ouais. Oh, putain. Et les amis, il va falloir que je le ravite, quoi. Putain, j'avais pas trop envie. Merde, il était là. Merde, il a tout entendu. On coupe en montage. Bip. Bip. Ah. Ah, mais faut que je ramène la petite gamelle. Sinon j'ai pas engueulé, la petite gamelle. Donc là, on a Madame Passion Campagne qui est en train de nous couper les petits poivrons doux. Ah bah oui. Voilà. Pour la petite ratatouille. Donc, et là, on a Benoît. Oh putain, il s'applique. Putain, il fait ça bien. Regardez-moi ça, les amis. Voilà. La petite courgette ronde. Oh là là. C'est pas de la courgette, c'est de l'aubergine. Ah. Ah non, je vais. Non, oui, c'est vrai. Tu peux couper là. Oui, non. Parce que non. Si tu zoomes dessus, on va bien voir que. Hein. La courgette ronde, elle est là. Donc, je croyais que c'était la courgette ronde. Donc, voilà. C'est pas grave. Ah bah non, c'est pas grave. Et là. On a Nico qui est en train de. D'éclairer. Ouais, non, et non mais il sait faire au boulot. C'est notre poste. Ouais, c'est notre poste. Mettre lumière. Ton bras, il est pas assez croisé là. Ah merde, un peu plus comme ça. Voilà. Ah, t'es parfait là comme ça. Ah, c'est bon. Là. Ah, oh putain. Je t'admire comme ça. Ah, et là t'es. Il te manquerait. Putain, c'est dommage, on a pas un bâton. Ah ouais. Pour s'appuyer, parce que ouais, ton coude là, ouais. il va prendre cher là. Faut l'appuyer. Hey, j'éclaire. Hein. Et moi j'ai admiré ton travail au niveau. Tu peux faire dans l'autre sens. Moi j'ai vraiment admiré ton travail au niveau des écrevisses. Moi aussi j'ai admiré le tien. Donc on peut voir un tout petit extrait de Nico quand il faisait les écrevisses. Il rigole, ça arrive tout de suite à l'image. Voilà. Attends, il était pareil. Bon, non. Je suis pas comme ça quand même, attends en haut. Voilà. Voilà. On fait une bonne équipe, je trouve. Donc vous avez vu l'extrait. On se complète. Petit légume.
C'est la petite courgette. Ah, oh, il pourrait la couper par Maître Rennes. Une petite courgette alors que c'est une aubergine. Coupée par Maître Rennes. Feu doux les amis, bientôt vous verrez souvent Nico en bivouac avec moi, il a envie de faire des bivouacs. C'est bien le bivouac Nico? Ah ouais. On va en faire des, ah, des bien. On va faire des gros bivouacs de malade. On va prendre du bide. On va grossir encore, tu crois toi? Non. On mange jamais à la maison. Non, on mange jamais, je sais pas si on crapagne. Non. Rien que vendredi, poté. Ah ben, rien que vendredi, ouais, voilà, c'est spot. Demain, cuisse de canard, cuisse de caille. Ouais, cuisse de caille. On va faire un petit tour des bivouaqueurs de ce soir. Donc là, on a Nico. Présent. Ouais. Nico, vous avez déjà vu plusieurs fois dans les vidéos. Voilà. Donc, premier bivouac. Premier bivouac, ouais, c'est ça. Tu vas il y en aura d'autres? Ah oui, bien sympa, quelle petite soirée. Oui, donc on a le frangin juste à côté. Alors ben, un bon petit bivouac pour une première fois, c'est bien déjà. Voilà, t'en feras d'autres? Pourquoi pas, bien sûr. Voilà. Oui, bien bon, sûr. Vous la connaissez déjà? Ouais, olé moi. Ouais, Madame Passion en campagne, voilà. Et oui. Donc, qu'est-ce que t'en penses de ce petit bivouac pour le moment? Ben, ça va. Ça va? Pas trop, non, on va manger, mais ça va. Ouais, il est pas tard encore. Bon, ouais. Oui. On va réveillonner. On est entre amis, entre abonnés, tout ça, tout ce qu'on veut. Et oui, parce que faut le dire, hein, tous ceux qui sont là sont aussi abonnés à la chaîne, donc voilà. Madame Passion Campagne s'attend surtout à bouffer, quoi, parce qu'elle, ce qu'elle aime, c'est bouffer. Hein. Eh ben oui. Surtout ça, elle vient en bivouac, c'est pour bouffer. Comme toi. Elle surveille la ratatouille, là, voilà. Voilà. Je fais une image du V. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce petit bivouac? Ça va. Ça va. Tu recommenceras, c'est bien, c'est pas bien? Les amis sont bien, pas bien, les abonnés? Bon, ça, il y a du travail à faire. Hein. Ah. Oh, tu vas finir à la baille. Ça, et Benoît, parle pour toi. Non. Elle va finir à la baille. Elle s'est nagée que quand il n'y a pas d'eau. On peut voir son petit visage là. Elle est contente là, elle a un petit sourire là. Oui. Là, elle est contente là? Ah, elle est contente. Allez. Puis alors, moi, les amis, je suis vraiment content d'être avec des abonnés que j'apprécie. Et qui sont à la fois des amis. Voilà. Et c'est surtout important d'avoir un lien comme ça. C'est bien d'avoir des abonnés, mais alors si ça peut venir après des amis, c'est encore plus important. Là, j'ai Benoît et Nico qui sont déjà des amis de, on va dire, longue date, mais on se connaît depuis quand même pas mal de temps. Qui sont maintenant abonnés à ma chaîne. On va terminer ce bivouac comme ça. Ce soir, on va continuer un peu des petites séquences vidéo et on se reprend demain matin. Bah attends, je suis en train de manger moi. Les petits fromages, oh, c'est ouf. Ouais, oh. Bah, on va en mettre peut-être bien. Les amis, le petit camembert au barbecue. Allez, c'est parti. On y va dans le barbecue. C'est parti, allez. Ah oui, d'accord. Ça y est. Bon les amis, le petit camembert au barbecue, allez on y va, là c'est chaud. Ah bah oui. On y va. Et elle a mis je sais pas combien. Quoi? Mais non,
Non, c'est peut-être le revers du papier. Là, on y va. Et non, tout le monde y va avec son petit morceau de pain. Regardez les amis, petit camembert au barbecue. Non, mais là, ça sent fort le camembert. Hein. Ça sent fort le camembert. Ça veut plus, il me chie dessus. Et tu pètes pas parce que je suis juste derrière. Hein? C'est bon, ça décoiffe les amis. Putain. Ça décoiffe? Ah bah. Il est fou. Ah mais moi je le sens déjà, j'en prends pas, il est trop fort. On a l'autre petit camembert là, on le voit. Mange-le. Le petit langto qui est en train de bien griller là. On le voit. Il va être bien là. Il va être bien. Petit criquet, mais si ça se mange à l'apéro ça. Oui, j'en ai fait goûter à la fin. C'est plein de protéines, vas-y. Fin de la petite soirée les amis. Bien sympa, on a très très bien rigolé avec les amis, c'est bien amusé, le feu est encore là, on peut le voir juste ici là, voilà, on s'est très bien amusé, autour du feu, voilà, petite danse bien sympa, enfin bon ça c'est un restaurant en privé, voilà, il y a aussi les dossiers qui restent en privé, ça rigole à côté, je ne t'adore pas encore, ouais. Non mais c'est marrant, toujours marrant. Voilà. Il est un peu plus de 5h du matin. Et donc là, maintenant, on va finir la soirée là-dessus. Et on va aller se, comme on dit chez nous, se jouquer. Voilà. Se coucher. Et je vous dis à demain matin. Allez, à tout à l'heure, tout de suite. Tac. Bonjour à tous les amis. Enfin réveillé. Voilà. On est réveillé. Ils ont fait Rabbi Jacob sous la pluie, on peut voir que derrière ça mouille. Et voilà. Je suis torse nu, c'est pas grave, j'ai dormi comme ça. Et je me suis levé ce matin, voilà, le feu était à moitié crevé. Mais c'est pas grave. Avec la volonté, on souffle un peu dessus et puis avec la technique et tout ça, et ben, on rallume le feu, on le ravive. Voilà. Parce que ce matin, on va manger aussi. On a tout ce qu'il faut. Je vous reprends tout à l'heure, les amis, pour la cuisine. Allez. Ah, le café arrive. Allez les amis, petit lard du matin, putain ça chauffe, il y a de la braise. Là, ça va. Ça chauffe la bite. Ouais, ça chauffe la bite. Ouais. Et là, ouais. Ouais, la braise, hein. C'est chaud. Là, il y a de la braise. Là, il faut voir la braise qu'il y a. Là, ça fait chaud, là. On va le couper en deux. Petit poulet qui va bien. C'est chaud.
y est, c'est Dudu et torse nu. Regardez-moi ça les amis, les petits œufs. Les petits œufs, voilà. Le lard avec le fromage fondu dessus un peu. Le petit poulet, c'est pareil, avec le fromage. Voilà. Allez, on va manger ça. Petit poulet, fromage. Là, les amis. Ça fait du bien, ça, les amis. Là, ça c'est bon, ça. Avec les œufs, tout. Ça, c'est une base en bivouac. Il est fou ce temps, il fait froid le matin et puis il est chaud. Tu lui laisseras les pierres. Froid le matin. Il a pas fait froid ce matin. Non, il peut être resté torse nu. Oui, mais c'est pas un, c'est un cas lui. Il est mouillé, il faisait pas chaud. Il déneige devant chez lui même torse nu. Alors... Je suis tout le temps torse nu. Bah voilà. Torse nu ou en t-shirt. C'est bon? Ah oui? Bon. Petit déjeuner anglais. C'est bon. Petit déjeuner, poulet tranche de lard. Bah voilà, ça se mange bien. Et bah, des bons œufs. On mange. Hein. Des bons œufs de poule. Très bon. Donc voilà les amis, on va arrêter là-dessus. On va terminer de manger. De toute façon, c'est la fin du bivouac. Plier. On va terminer de plier tranquillement. Et puis, on va se rentrer et on va remanger à la maison. Voilà. Naturellement, avec Passion Campagne, on est tout le temps en train de manger. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner si ça vous a plu, ou à vous désabonner, c'est pas grave, hein, aussi. Ça peut arriver que... Mais ça, c'est pas grave après. Et sur ce, moi je vous dis salut et à la prochaine. Salut les amis. Et là, ça s'appelle plus que du montage à faire.